On a ce que j'appelle une crise de la toute-puissance. En deux mots, je dis ce que ça veut dire. Même si on voit partout agiter la toute-puissance. On l'a vu avec l'élection américaine, où là, ça a été un déluge de toute-puissance incarné par ce Trump, qui, lui, va arriver à mater tout le monde, construire des murs, empêcher le réchauffement climatique qui n'existe pas, etc. I think that there'll be little change here. It'll go up. It'll get a little cooler. It'll get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler. It'll get warmer. It's called weather. I do believe in clean. You know, I've received, a lot of people don't know this, I've received many environmental awards, many, many environmental awards for the work I do. And I believe strongly in clean water and clean air. But I don't believe that what they say, I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money. Donald Trump a annoncé qu'il ne prendrait pas son salaire de président. On peut trouver ça à geste généreux. C'est très grave. Que le président des États-Unis soit rémunéré par la société Trump, c'est très très grave. En termes de représentation de ce qu'ont les États-Unis, qu'il faille baisser les salaires des présidents, ok, très bien. Mais que lui, M. Trump, PDG des États-Unis, dise « moi je ne veux pas de salaire public » parce que moi, je suis une entreprise privée, et les États-Unis vont devenir une grande entreprise privée, et je suis rémunéré par les actionnaires qui sont les citoyens, c'est très grave symboliquement. Et c'est véritablement une privatisation du politique qui est apparue, et pas seulement aux États-Unis, on le voit en France, avec, en Europe, avec le poids des lobbies, hein, qui ont pris une importance très grande, le poids des multinationales, qui vraiment affaiblissent les sociétés et les institutions et la capacité des sociétés à réagir. We need some global warming. It's freezing. Man.